Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment sortir de l'inquiétude pour rentrer et retrouver la confiance dans la vie. Alors, pourquoi l'inquiétude ? Là, je fais la vidéo aujourd'hui, nous en sommes au deuxième confinement dû au coronavirus. Et tout ce qui se passe, tout le reste qui se passe sur la planète, donne une sensation chaotique, très précaire, voilà, de la vie, et qui amène de nombreuses peurs, aussi évidemment des inquiétudes sur le futur. Donc, la première chose à vous souvenir, qui est vraiment très importante, c'est une image qui m'est venue, c'est l'image d'une montagne. C'est-à-dire que vous êtes une montagne et qu'il y a des petits nuages qui tournent autour de votre sommet, hein, autour de votre tête en fait. Les petits nuages, imaginez, il y en a qui sont gris, il y en a qui sont noirs avec l'orage, il y a aussi des petits nuages blancs, voilà, qui sont éclairés par le soleil. Et tous ces nuages vont et viennent, passent autour du sommet de la montagne que vous êtes. Ces petits nuages vous murmurent, vous susurrent tout un tas de pensées et de choses. Mais comment ça va se passer dans le futur ? Oh, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas. Oh là là, mais c'est nul. Oh, c'est foutu. Maintenant, c'est foutu. Voilà, des pensées qui vont être accrochés, que vous allez accrocher avec de l'émotion. Hein. Ça va être, voilà, l'émotion va commencer à naître l'inquiétude justement, la peur, peut-être la tristesse, le découragement, la colère aussi. Voilà, et ces pensées, elles deviennent quelque part un peu juteuses, hein, de ces émotions qui sont là. Donc c'est toutes ces pensées qui sont là, qui sont à l'intérieur de vous, dans votre tête en fait, hein, dans le mental, ne sont pas qui vous êtes. Parce que vous êtes la montagne, sauf que, en tant que montagne, vous prenez pour un nuage. C'est-à-dire, vous êtes dans le nuage, vous avez l'impression que c'est toute la vérité, rien que la vérité, tous ces mots qui vous sont susurrés à l'oreille, et c'est là que tout le déséquilibre se situe. C'est-à-dire que ce n'est pas votre véritable identité. Vous êtes la montagne immuable, hein. La montagne paisible qui connaît la paix, hein, qui est la paix à l'intérieur de vous. Vous êtes la montagne et vous vous prenez pour un nuage. Voilà, donc déjà cette image, elle peut vous aider à faire une distanciation, à vous désidentifier de vos pensées. Commencez ce mouvement de recul. C'est-à-dire que toutes ces pensées qui sont là, qui vous paraissent être la vérité ultime, voilà, et toutes les opinions que vous entendez, tout ce qui se passe dans la société, les pour et les contre, et le bien et le mal, tout ça, ce sont des pensées qui vont aussi avec votre propre histoire. Voilà. Encore une fois, ce sont les nuages, mais vous n'êtes pas ces nuages, vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la montagne qui a créé les pensées, qui a créé les nuages. Parce que c'est en fait parce que vous êtes une montagne que vous avez créé des nuages autour de vous qui viennent s'amonceler, hein, déverser leur pluie, déverser l'orage. Voilà, c'est parce que vous êtes une montagne. Donc, comment se souvenir que vous êtes une montagne déjà en prenant ce recul ? C'est-à-dire de comprendre ça, mais en profondeur, que vous n'êtes pas ces pensées. Et puis, le deuxième acte que vous allez pouvoir faire, hein, c'est de rentrer dans votre cœur. Voilà, de respirer dans votre cœur. Pourquoi je vous dis, donc ici, le cœur, c'est ici, donc ça correspond au chakra du cœur, c'est au milieu de la poitrine. Voilà. Pourquoi ici ? Donc c'est pas en gloire au chakra du cœur, on pourrait ne même pas dire ce mot d'ailleurs en fait. C'est tout simplement parce que en fait vous allez rejoindre le centre de vous-même. Le centre. Le centre de vous-même, hein, c'est le centre de la croix, de l'arbre que vous formez, qui est effectivement au niveau du cœur. Voilà. Donc ça c'est le centre. Et comme toute chose sur la planète, le centre, au centre, eh bien, il y a l'immuable.
À partir du centre, tout se crée, toute la périphérie se crée. Donc à partir de votre centre, en fait, tout se crée autour. Si vous revenez au centre, vous allez retrouver la paix. Donc, pour revenir dans votre centre, le plus facile, c'est de respirer dans votre cœur. C'est ici, c'est la porte d'entrée, on va dire. La porte d'entrée pour aller vous recentrer à l'intérieur. On va le faire ensemble. Voilà, donc je vous propose de prendre une grande respiration. Vous inspirez, vous expirez par la bouche. Et vous laissez le souffle redescendre tranquillement jusque dans vos pieds. Voilà. Prenez déjà conscience que vos pieds sont bien à plat sur le sol. Voilà. De tous vos points de contact avec le sol. Voilà. Et puis vous allez remonter tranquillement. Vous pouvez passer par votre ventre. Voilà. Posez votre attention dans votre ventre. Et faites la respiration abdominale. C'est en fait, c'est une respiration naturelle. Il suffit de poser votre attention dessus pour qu'elle se fasse. C'est-à-dire, c'est votre ventre qui se gonfle à l'inspire. Et c'est aussi toute la ceinture abdominale. C'est en fait, c'est un petit peu comme une ceinture autour de vous qui va se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Réellement, il n'y a pas à faire les choses. Plus à porter votre attention dessus et ça se fait tout seul. Voilà, donc vous laissez se gonfler votre ceinture abdominale à l'inspire. Et vous la laissez se dégonfler à l'expire. Voilà, faites-le au moins 3 fois. Là, vous êtes en train de descendre votre attention dans votre corps, dans le bas de votre corps. De revenir dans l'instant présent. Voilà. Et puis maintenant, vous allez monter votre attention dans votre cœur, au cœur de vous-même. Ici, vous pouvez vous aider de votre main si vous n'avez pas trop l'habitude. Vous vous aidez de votre main et puis vous allez passer tout votre inspire et votre expire par cet endroit. Donc en fait, votre inspire pousse votre main. Et votre expire la fait redescendre. Voilà. Faites au moins 3 respirations profondes dans votre cœur. Voilà. Installez-vous dans votre cœur. Installez-vous au centre de vous-même. Retrouver cet endroit de paix immuable, cet endroit d'amour illimité, de sérénité, qui en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, ne disparaît jamais. Cet endroit est toujours là. C'est pour ça que vous y arrivez tout simplement en respirant dans votre cœur. C'est juste qu'il est brouillé par les nuages et que vous vous reprenez pour un nuage. C'est une sorte de jeu de passe-passe. Il suffit de vous souvenir que vous êtes la montagne. Il n'y a rien à faire pour ça. Vous êtes la montagne, vous êtes la paix. Voilà. Et du coup, vous prenez recul avec cette inquiétude que vous pouviez ressentir. Vous revenez au cœur de vous-même, à l'endroit où vous touchez à la confiance en la vie, qui n'a pas de limite. Voilà. C'est la façon de faire la plus directe, la plus simple. Ça ne plaît pas toujours au mental, qui aime bien quand c'est compliqué.
Et pourtant, si vous le faites, vous allez vraiment sentir la différence. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vous souvenir que vous êtes la montagne. Paisible, quoi qu'il arrive. Je vous dis à tout bientôt avec grand plaisir.